ça. Non, mais tu vas te faire déborder chacun par ton émotion, toi, je te l'ai déjà dit. Refuser de faire ce que l'on attend de nous, si ce n'est pas en concordance avec nos convictions. Ok. Bon, ben vous voyez, c'est pas si terrible, la communication. Elle tombe. Elle tombe. Avec moi. Elle tombe dans la mer turquoise et cristalline. Elle se laisse glisser, masser par les petites vagues maligues. Elle est légère, légère comme la confiture de sa grand-mère. La pose ma question. Non, j'étais posée. Ah. Bah, je vais pas réciter comme ça mon CV, je le connais pas par cœur comme ça, enfin je vois pas ce que... Pose-moi des questions, on fait genre l'employeur, t'es l'employeur et je me présente. D'accord. Alma Savantes. Tu me vois là? On dirait que tu cadres pas bien là. Tu me vois quand même. Ça va là, je présente bien? Alors, vas-y. Non, on n'a pas non plus vachement de temps là. C'est pour demain, il faut que je l'envoie en ligne là avant 5 heures. Lève. Bon. Franchement, regarde. Ok? It's for work. Ok. 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 Comment tu t'appelles? Je m'appelle Brice. Tu peux parler en anglais, hein? Non, il doit parler français. D'accord, tu parles français, tu parles français. Oui, je parle franglais, vachement bien. Franglais, d'accord. c'est quoi tes études? J'ai étudié... Articule. T'as dit la preuve. Bon, tu es ingénieur informatique, développeur. Regarde le jeté. Okay. Sorry. Oh, ingénieur informatique, trop bien. Tu vois, faut que tu... On sente... T'es super contente. Là, ça... Je sais pas, t'es bizarre aujourd'hui. Tu parles bizarrement. Je sais pas, moi, regarde. Je sais. Bonjour. Bonjour. Elle vole au-dessus de la tristesse des autres. Au-dessus de la violence verbale. Au-dessus de l'illusion. Au-dessus de toute cette fausse réalité, au-dessus de ce monde complexe. Elle vole avec lenteur au gré des années, lumière dans les yeux, bouclier invisible, spasme de peur, puis de bonheur, la libération. Elle vole quand elle le désire, elle choisit quand elle veut planer. Et elle ne pense jamais à son atterrissage. Elle vole loin de son univers, loin de son quotidien. Ce n'est pas une fuite, juste un besoin d'ailleurs, une minute, une heure. Elle est rentrée chez elle. Elle a ouvert la porte qui n'est plus tout à fait la même. Elle a descendu l'escalier avec peine, ses vieux os taquinant sa chair. Le salon est à présent rempli de ses petits-enfants. Ils viennent embrasser ses joues ridées avec un « Bonne nuit, grand-mère !» et partent se coucher impatients pour demain. Alma s'assoit sur le canapé et sourit. Demain, oui. Demain !